Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour prendre en main le logiciel Any Unlock de iMobi. Ce n'est pas la première fois dont nous parlons d'un logiciel de iMobi sur la chaîne. Nous avons déjà fait une vidéo sur AnyTrans et précédemment sur Phone Rescue. Aujourd'hui on teste le dernier né de iMobi, à savoir Any Unlock. Et comme son nom l'indique, ce logiciel est tout particulièrement prévu pour faire sauter les mots de passe et identifiants Apple des iPhones et des iPads. Alors évidemment en toute légalité, puisqu'il ne s'agit pas là de supprimer le blocage iCloud dans le cas d'un appareil volé, mais bien de cas d'usage tels que lorsque vous oubliez le mot de passe de votre compte Apple ou bien que vous oubliez le mot de passe de votre temps d'écran ou de la sauvegarde de chiffrement de votre iPhone, Any Unlock est là pour enlever ces codes là. Aujourd'hui on se propose donc de faire un petit tour sur le logiciel Any Unlock, voir les fonctionnalités qu'il propose et réaliser comme d'habitude un petit test d'une des nombreuses fonctionnalités proposées. Avant même de commencer cette vidéo, sachez que Any Unlock est compatible macOS et Windows, fonctionne donc sur les deux plateformes. Comme d'habitude, le logiciel peut être testé en version d'essai et si vous souhaitez débloquer l'entièreté des fonctionnalités, il faudra évidemment passer sur le site de iMobi pour l'acheter. Ceci étant dit, passons donc à Any Unlock. Ici, on est sur macOS. J'ai ici, comme d'habitude, un iPhone 5 pour la démonstration, à savoir que, évidemment, ça fonctionne sur les iPhones plus récents, comme l'iPhone XS ou 11. Voyons donc les fonctionnalités proposées. La première fonctionnalité qu'on retrouve sur l'écran d'accueil de Any Unlock, c'est déverrouiller l'identifiant Apple. Ici, l'exemple est simple, vous avez oublié votre mot de passe d'identifiant Apple sur votre iPhone ou iPad et vous souhaitez le retirer. Cette fonctionnalité-là est donc là pour cela. L'autre cas d'usage qu'on peut voir dans l'utilisation de cette fonctionnalité, c'est par exemple lorsque vous avez acheté un iPhone d'occasion et que le précédent propriétaire a oublié de retirer son compte Apple. Ça peut arriver et ça arrive encore assez fréquemment. Eh bien, Any Unlock vous propose de supprimer cet identifiant. Autre fonctionnalité, c'est déverrouiller l'iPhone sans code. Là, ici, il s'agit de code à 4 chiffres ou 6 chiffres. En fonction de comment vous l'avez configuré. Enfin, nouveauté introduite dans les dernières versions d'iOS, il s'agit du temps d'écran que vous pouvez définir pour limiter l'utilisation de l'iPhone ou de l'iPad par vos enfants. Par exemple, si vous avez oublié ce temps d'écran, vous avez deux options, soit vous attendez tout simplement que ce temps-là expire, ou bien vous supprimez à l'aide de Any Unlock ce temps d'écran. Enfin, on a d'autres fonctionnalités comme le gestionnaire de mots de passe, donc trouver, récupérer, exporter les mots de passe stockés sur l'appareil iOS, ça peut être bien utile si vous souhaitez migrer vers un gestionnaire de mots de passe par exemple, supprimer le chiffrement de sauvegarde iTunes. Si vous avez iCloud, vous n'êtes peut-être pas au courant de cette fonctionnalité, mais sachez que quand vous sauvegardez votre iPhone sur votre Mac ou votre PC, si vous souhaitez sauvegarder par exemple les mots de passe qui ont été saisis, ainsi que les données sensibles entre guillemets, telles que les données de santé, eh bien vous serez obligé de sauvegarder avec un mot de passe, et donc c'est ce mot de passe là en fait il sert à chiffrer votre sauvegarde, et si vous oubliez ce mot de passe là, vous ne pourrez pas restaurer la sauvegarde sur un autre iPhone, ce qui peut être assez dérangeant par exemple quand vous migrez vers un nouvel iPhone. Et bien Any Unlock vous propose de supprimer le mot de passe de cette sauvegarde là. Enfin, dernière fonctionnalité, il s'agit de récupérer le mot de passe de sauvegarde iTunes, donc ici l'objectif n'est pas de supprimer le mot de passe mais de récupérer celui que vous aviez saisi au moment où vous avez fait la sauvegarde. Voilà, c'en est tout pour cette présentation, on va donc passer à la démonstration d'une des fonctionnalités, et en l'occurrence, on va aller chercher déverrouiller l'iPhone sans code. Donc ici, sur l'iPhone 5, on a un mot de passe extrêmement compliqué, admettons qu'on l'ait oublié, de toute manière ici il s'agit de 000. On voit que ça fonctionne, l'objectif maintenant ça va être, dans le cas où on l'a oublié, de supprimer ce mot de passe là. Rien de plus simple, on va cliquer sur « Commencer ». Il a bien détecté notre iPhone 5, sa version d'iOS, le firmware ici, ce que va faire Any Unlock en fait, c'est restaurer l'iPhone en supprimant le mot de passe. Donc ici notre iPhone est bien verrouillé, on va cliquer sur « Télécharger », on va juste aller lui indiquer un autre endroit, on va cliquer sur « Télécharger ». Any Unlock va donc télécharger la dernière version iOS disponible pour votre appareil. En l'occurrence, pour l'iPhone 5, on restera sur une version 10.3. Il y a des versions plus récentes pour les derniers appareils. Cette phase-là peut prendre plus ou moins de temps en fonction de votre connexion Internet. Si vous êtes fibré, ça va aller relativement rapidement. Si vous avez une connexion ADSL, ça va être un petit peu plus lent. Any Unlock a terminé de télécharger la dernière version d'iOS pour l'iPhone en question. Il va désormais décompresser l'archive et l'installer sur l'iPhone. L'ensemble peut prendre quelques minutes. Il faut donc patienter et, comme le dit Any Unlock, garder l'appareil connecté à l'ordinateur et ne pas quitter le logiciel. Voilà, on passe donc à la phase suivante, à savoir déverrouiller maintenant.
Alors, il faut savoir que supprimer le mot de passe à 4 ou 6 chiffres de l'iPhone, ça implique nécessairement d'effacer les données de l'appareil qui sont dessus. Vous avez d'autres méthodes dans AnyUnlock qui vous permettent de supprimer des mots de passe, notamment pour le compte Apple, sans forcément supprimer les données. Là encore, le mieux est d'avoir une sauvegarde. Si vous avez activé votre appareil sans changer les paramètres iCloud, vous aurez normalement une sauvegarde sur iCloud. Pour ça, il suffit de vous connecter sur iCloud.com et de vérifier les données qui y sont présentes. Dans le cas ici, on nous avertit, supprimer le mot de passe de notre iPhone va supprimer les données qui sont dessus, donc il vaut mieux pour vous avoir une sauvegarde. Une fois qu'on a pris connaissance de ces informations-là, en toute connaissance de cause, on peut cliquer sur « Déverrouiller maintenant ». Et ici, AnyUnlock va installer la dernière version du firmware sur iOS et vous aurez un iPhone débloqué. Ici, vu qu'on réinstalle la version d'iOS, la capture d'écran s'est coupée et AnyUnlock a lancé iTunes et à placer l'iPhone en mode récupération. Donc sur l'iPhone, pour vous décrire actuellement ce qui se passe, on a le petit logo iTunes avec le câble Lightning, et on attend que AnyUnlock fasse son travail. Donc on voit ici qu'il est en train de supprimer le code d'iOS, et en réalité, il réinstalle une version d'iOS sur l'iPhone. Donc vous devrez réinstaller et vous reconnecter avec vos identifiants Apple à la fin du processus. Voilà, AnyUnlock a terminé l'installation de la dernière version d'iOS sur l'iPhone. L'iPhone actuellement redémarre, et va nous proposer de configurer iOS. On a donc bien supprimé le code en question et notre iPhone est de nouveau fonctionnel. Une fois cette opération s'est terminée en ce qui concerne AnyUnlock, vous pouvez cliquer sur terminer et maintenant il ne reste plus qu'à reconfigurer l'iPhone avec vos identifiants Apple et normalement vous pourrez depuis une sauvegarde restaurer extrêmement simplement le contenu que vous aviez précédemment sur votre iPhone. Évidemment, ça fonctionne aussi sur iPad. Comme on peut le voir, l'iPhone redémarre et on devrait voir l'écran d'installation s'afficher dans quelques instants. Voilà, l'iPhone est désormais démarré et on est sur la séquence d'installation. Il nous suffit donc maintenant de reconfigurer et une fois qu'on a configuré notre compte, qu'on l'a activé via iCloud, on va pouvoir soit depuis le Mac ou le PC détecter l'iPhone et le restaurer à partir d'une précédente sauvegarde, ou bien, comme on va le voir ici juste après, on va pouvoir, une fois qu'on a sélectionné notre réseau, etc., on va arriver sur une page où on va se connecter avec notre identifiant Apple et iOS va nous proposer de restaurer l'iPhone à partir d'une dernière sauvegarde iCloud. Donc vous allez à ce moment-là récupérer toutes vos données puisqu'iOS va télécharger depuis iCloud, donc les serveurs d'Apple, tout le contenu que vous aviez sur votre téléphone avant. Donc ça peut être les messages, via iMessage par exemple, l'ensemble des contenus applicatifs, vos photos, etc. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de AnyUnlock, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Leur site vous expliquera tous les cas d'usage dans lesquels vous pouvez utiliser AnyUnlock, quelles sont les conséquences de chaque cas d'usage, comment fonctionne AnyUnlock, etc. Encore une fois, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.